Au fait, j'ai besoin de la BX Diesel à 2 h de l'après-midi. À 2 h? Ça va m'obliger à revenir, puis j'ai un tas à faire à l'intérieur. Non, tu peux permettre ton essai un autre jour? C'est pas pour une séance d'essai, je dois la montrer à le gars, le boulanger. Bah, tu la lui montres ce matin, moi je la reprends vers midi, midi un quart. Ah non, écoute, c'est pas possible, il peut venir qu'en début d'après-midi. Lui qui veut la voir? Pas exactement, mais j'aurais préféré lui montrer. Non, écoute, je connais bien le gars, là. C'est la reprise de sa bagnole qui l'intéresse. C'est un malin. Il fera le tour, la régie, Peugeot, toute la clique. Non, il traitera avec le mec qui lui fera la meilleure offre. Je suis vraiment pas d'accord. Il y a 2 ans qu'on a acheté sa R18. C'est parce qu'on lui a pas montré de GSA. Mais de toute façon, c'est sa femme qui me l'a dit, alors. Hey, je vois pas mal, la petite madame Le Gall. Pendant que son mari se repose, tu l'emmènes faire un petit tour en BX. C'est le boulanger, mais c'est pas une raison pour nous rouler dans la farine. Non, t'as un ticket, profite-en. Non, mais crois-moi, il prendra le plus intéressant. Alors, tu lui fais une offre, vite fait. Remarque, avec le stock de VO actuel, t'as pas beaucoup de chance, hein. C'est vrai ce qu'il dit, de toute façon. Pour les clients, maintenant, toutes les voitures se ressemblent. Ils en ont plus rien à foutre. Non. Non, mais où tu vas te garer? Il n'y a jamais de place dans ce coin-là. Je vais te dire un truc. Tu bloques la circulation. Tu penses ta caisse au milieu de la chaussée et tu fais une présentation en... 5. Mais 5 fois, c'est ça. Non, non, mais pense bien qu'il en a sûrement vu des BX. Il y a un de ses clients qui lui aura montré la sienne. Si ça se trouve, il la connaît mieux que toi. Ouais, bon, garde-la. Je trouverai une solution. Allez, salut. En fait, j'ai besoin de la BX Diesel à 2 h de l'après-midi. À 2 h? Ça va m'obliger à revenir, puis j'ai un tas à faire à l'intérieur. Non, tu peux permettre ton essai un autre jour? C'est pas pour une séance d'essai, je dois la montrer à Le Gall, le boulanger. Bah, tu la lui montres ce matin, moi je la reprends vers midi, midi un quart. Ah non, écoute, c'est pas possible, il peut venir qu'en début d'après-midi. Lui qui veut la voir? Pas exactement, mais j'aurais préféré lui montrer. Non, écoute, je connais bien Le Gall. C'est la reprise de sa bagnole qui l'intéresse. C'est un malin. Il fera le tour, la régie, Peugeot, toute la clique. Non, il traitera avec le mec qui lui fera la meilleure offre. Je suis vraiment pas d'accord. Il y a 2 ans qu'on a acheté sa R18. C'est parce qu'on lui a pas montré de GSA. Mais de toute façon, c'est sa femme qui me l'a dit, alors. Hey, je vois pas mal, la petite madame Le Gall. Pendant que son mari se repose, tu l'emmènes faire un petit tour en BX. C'est le boulanger, mais c'est pas une raison pour nous rouler dans la farine. Non, t'as un ticket, profite-en. Non, mais crois-moi, il prendra le plus intéressant. Alors, tu lui fais une offre, vite fait. Remarque, avec le stock de VO actuel, t'as pas beaucoup de chance, hein. C'est vrai ce qu'il dit, de toute façon. Pour les clients, maintenant, toutes les voitures se ressemblent. Ils en ont plus rien à foutre. Non. Non, mais où tu vas te garer? Il n'y a jamais de place dans ce coin-là. Je vais te dire un truc. Tu bloques la circulation. Tu penses ta caisse au milieu de la chaussée et tu fais une présentation en... 5. Mais 5 fois, c'est ça. Non, non, mais pense bien qu'il en a sûrement vu des BX. Il y a un de ses clients qui lui aura montré la sienne. Si ça se trouve, il la connaît mieux que toi. On garde là. Je trouverai une solution. Allez, salut. Voilà, j'ai un petit contretemps pour cet après-midi. Je pense pas pouvoir avoir la voiture. Oh, bah ça ne fait rien, revenez demain à la même heure. Oui, mais... Enfin, c'est moi qui conseille à monsieur votre mari de venir voir la BX. Dans la mesure où il la connaît, c'est peut-être pas la peine qu'il se dérange. Et puis, je voudrais pas lui faire perdre son temps, quoi. Alors là, vous me surprenez. C'est vous qui me dites ça?
Si mon mari a accepté ce rendez-vous, c'est qu'il n'a pas l'impression de perdre son temps. Il pense certainement que vous allez lui montrer des choses qu'il ne connaît pas. Personnellement, j'ai envie qu'il l'achète, vous le savez. Mais lui, il faut le convaincre. Et pour le convaincre, il va falloir la lui montrer. C'est un peu comme si je vendais des dragées sans les faire goûter ou sans présenter les boîtes. Vous n'allez tout de même pas me dire que toutes les voitures sont pareilles. Moi, la BX me plaît. Et puis chez Citroën, vos voitures sont suffisamment originales pour les montrer, non? Bah oui. C'est pas moi qui veux vous dire le contraire, quand même. Mais vous savez, pour se garer près de chez vous, c'est tout un problème. Bah, regardez, j'ai dû me mettre en double fil, là. Eh bien, la belle affaire. Vous revenez demain, mon mari vous attendra, et puis vous le conduirez chez vous pour lui présenter la voiture. Ah bah ouais. Et comme ça, je vais lui montrer celle qui est en vitrine. Voilà, j'ai un petit contretemps pour cet après-midi. Je pense pas pouvoir avoir la voiture. Oh, bah ça ne fait rien, revenez demain à la même heure. Oui, mais... Enfin, c'est moi qui conseillais à monsieur votre mari de venir voir la BX. Dans la mesure où il la connaît, c'est peut-être pas la peine qu'il se dérange. Et puis, je voudrais pas lui faire perdre son temps, quoi. Alors là, vous me surprenez. C'est vous qui me dites ça? Si mon mari a accepté ce rendez-vous, c'est qu'il n'a pas l'impression de perdre son temps. Il pense certainement que vous allez lui montrer des choses qu'il ne connaît pas. Personnellement, j'ai envie qu'il l'achète, vous le savez. Mais lui, il faut le convaincre. Et pour le convaincre, il va falloir la lui montrer. C'est un peu comme si je vendais des dragées sans les faire goûter ou sans présenter les boîtes. Vous n'allez tout de même pas me dire que toutes les voitures sont pareilles. Moi, la BX me plaît. Et puis chez Citroën, vos voitures sont suffisamment originales pour les montrer, non? Bah oui. C'est pas moi qui veux vous dire le contraire, quand même. Mais vous savez, pour se garer près de chez vous, c'est tout un problème. Bah regardez, j'ai dû me mettre en double fil, là. Eh bien, la belle affaire. Vous revenez demain, mon mari vous attendra, et puis vous le conduirez chez vous pour lui présenter la voiture. Ah bah ouais. Et comme ça, je vais lui montrer celle qui est en vitrine. Voilà. Bah, je vous remercie, et à bientôt. Au revoir. Bon, bah au revoir.